Ici, c'est là où on fait des offrandes et les gens déposent des petites bouteilles, je sais pas qu'est-ce que c'est, des boissons en tout cas, comme des offrandes. Et donc on fait sonner la cloche qui est là pour faire, pour appeler les divinités, faire son vœu. Et l'intérieur, ça ressemble à ça. Et il doit y avoir quelque chose parce que c'est bien décoré, puis il y a des chaises, enfin des tabourets qui ont été placés, donc je pense que pendant en ce moment-là, il doit y avoir des célébrations, comme on dit en français. Là-bas, c'est le bâtiment administratif où le responsable, en général, ce sont des familles, habitent là-bas et peuvent vous renseigner, etc. Il y a une petite cour qui est vraiment ouverte à tout le monde. Et là, on voit, comme il y a une petite école ici à côté, là où il y a certains de mes élèves, les parents viennent après, à la sortie des écoles, ils viennent ici permettre aux enfants de continuer à s'amuser, se dégourdir les jambes dans un joli cadre comme ceci. Et donc là, avec l'automne, on voit toutes les feuilles qui changent de couleur et qui évidemment tombent. Et c'est magnifique. Là-bas, les petits papiers que vous voyez, c'est les papiers sur lesquels on fait un... Ah, regardez les feuilles avant. Si ça fait bien le zoom, voilà. C'est joli, n'est-ce pas? Les feuilles de Ginkgo biloba, très, très spécifiques, très reconnaissables par leur forme. J'arrive pas à faire le zoom dessus. Bref. Et voilà, là on fait son vœu et on l'attache ici. Donc en général, on veut réussir un examen ou pour que la naissance d'un enfant se passe bien, etc. Là, ici, c'est en début d'année qu'on fait ça. Ou alors dans certaines... Ça, c'est fait par les enfants, c'est trop rigolo. Ou alors certaines occasions de célébration. Tiens, ça, je n'ai jamais vu. Pourtant, ça fait longtemps que je viens ici. Et donc apparemment, on tape avec le marteau et on fait une prière. Comme ceci. Là aussi, ces petits hôtels alignés. Toujours avec la caisse dans laquelle les gens envoient une petite pièce. Et font sonner la cloche. Et devant ces hôtels, ils font leur prière. Ici, même chose, en un peu plus grand, avec un tori. Juste devant. Alors, normalement, il faut rentrer par l'intérieur du tori, parce que la porte du tori représente la frontière, disons, entre le sacré, et le profane, donc le sacré à l'intérieur, de l'autre côté du tori. Bon, là, comme on est déjà rentré par un tori, je pense, là-bas, à l'entrée, tout l'endroit est sacré. Tout le lieu est sacré. Et là, voilà, on fait pareillement sa prière là-bas. Et puis, les momiji, les feuilles d'érable japonais, très, très spécifiques et très reconnaissables du Japon, qui changent de couleur. Je ne sais pas si le téléphone arrive à vous montrer ça correctement. Voilà, c'est... Et voilà, donc là, vraiment... L'automne, c'est l'une des saisons les plus les meilleures pour profiter du Japon. Je suis en polo, manche courte. Il fait un temps absolument formidable. Printanier, certaines même disent que c'est encore l'été tellement qu'il fait chaud. Et pourtant, on a quand même la possibilité de venir apprécier, j'arrive pas à faire le zoom, le focus, les feuilles d'érable qui changent leur couleur. Et donc moi, je travaille dans une école privée qui part là-bas. Et je viens souvent faire mon petit tour ici parce que j'adore ce coin. Donc avant de commencer à travailler, je viens en général me promener, on peut dire d'une certaine façon,
me ressourcer. Et ce que je fais en général, c'est simplement que je marche autour du temple. Alors, est-ce que c'est un temple ou un sanctuaire? Je me trompe encore. Donc, sanctuaire, c'est Shinto. Et temple, c'est bouddhiste. Là, je pense que c'est Shinto. Ça fait 9 ans que j'y suis, je devrais le savoir depuis le temps. Ceux qui connaissent le Japon, soit parce qu'ils y vivent ou soit parce qu'ils aiment la culture, vont se foutre de moi, mais ils auront raison. Et là aussi, il y a une autre déité, je pense. En tout cas, un animal sacré que les gens viennent toucher aux endroits du corps pour lesquels ils veulent avoir des soins, par exemple à la tête, etc. S'ils ont des maux de tête ou quoi. Et ils peuvent aussi laisser une pièce ici, ouais. Et voilà. Les enfants qui continuent à jouer. Voilà, voilà. Et donc il y a des torii aussi en pierre comme celui-ci. Focus, ouais. Voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis souvent aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que dans les sanctuaires comme ça, ou les temples, il y a très souvent, même, presque tout le temps, je pense, de très grands arbres comme ceci, qui sont absolument magnifiques et qui rajoutent au sacré, je trouve, à la beauté de l'endroit. Voilà ce que je voulais vous montrer. Il y en aura peut-être d'autres de ces vidéos.